Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Nous commençons avec un bon grand titre. Position Cécile, le l'index perception corruption y amélioré, continue à sortir 27e position en 2020 pour une 23e en 2021. Le 22 février, la Cour constitutionnelle pour écouter soumission 3 avocats, donc à Michael Esparon, contre commission élection et attorney général. Département tourisme y expecté que le pays pour accueillir 218 000 à 258 000 visiteurs à l'année. Il aussi expecté maintenir une stratégie marketing pareille l'année passée. Plusieurs écoles y partagent l'expérience de façon qu'ils ont fait face avec COVID-19. Cette activité aussi marque la journée internationale pour l'éducation. Nous passons le détail. Cécile gagne beaucoup plus de points dans l'index perception corruption que l'organisation non gouvernementale Transparency International est publié tous les ans. Rapport 2021 que Transparency International a publié aujourd'hui il montrait que la position Cécile est améliorée, pour une sortie dans 23e position dans 180 pays comparé avec 2020, qui était 27e. Cécile est aussi sortie dans première position dans l'Afrique subsaharienne. Tous les années, l'organisation non gouvernementale Transparency International y publie un rapport qui mesure perception corruption dans le secteur public pour plusieurs pays. Résultat 2021 montre que position Cécile au l'index perception corruption est amélioré, côté une sortie dans 23e position dans 180 pays avec 70 points au 100, comparé avec 2020 côté 27e avec 66 points. Cécile est aussi dans première position dans l'Afrique subsaharienne. Il fait première fois dans 3 ans qu'il positionne Cécile au sein l'index et amélioré. Dans un communiqué la presse, Transparency Initiative Seychelles a accueilli une amélioration de la position Cécile, même s'ils ont reconnaissent qu'il y a une certaine défaillance dans la façon qu'il sa l'index et gagne mesuré. Transparency Initiative Seychelles nous aussi félicite le travail que la Commission anticorruption et CCS peut faire. Zotino aussi fait ressortir que la pandémie COVID-19 est capable d'avoir un effet négatif sur la transparence et rendre compte l'état et conseil nécessité pour prendre décision vite pour aider les gens. Mais que la transparence et rendre compte reste la meilleure façon pour assurer que les gains économiques et sociaux sont distribués d'une façon plus juste. Zotino aussi dit que CCE est capable de continuer à améliorer sa position sur l'index. Au niveau mondial, 86% des pays qui sont sur l'index peuvent faire beaucoup ou bien aucun progrès pour améliorer la perception de corruption dans le secteur public. Danemark, Finlande et Nouvelle-Zélande sont 3 pays qui ne font plus bien sur l'index, tandis que Somalie, la Syrie et Sud-Soudan sont des pays qui n'ont plus mauvaise performance sur l'index. Et président Ramkalawan, il a aussi accueilli le résultat Cécile, l'index perception corruption pour 2021. Il dit que Cécile prend une position dirigeante de l'Afrique pour combattre la corruption et que le résultat de l'index est montré que Cécile même, si un petit pays, il a bon chemin pour combattre la corruption. Le président fait ressortir que ce résultat est aussi démontré les efforts que le gouvernement et que les autres institutions peuvent faire, telles que l'Assemblée nationale avec son comité finance et compte public, judiciaire, la police, bureau attorney général et commission anti-corruption. Parmi plusieurs, les autres présidents aussi félicitent tout le monde qui est impliqué dans ce travail pour maintenir bon haut standard, la bonne gouvernance, la transparence et rendre compte et qui cesse pour continuer à faire plus bien. Le président dit que le gouvernement est resté engagé dans sa tasse que la nation est donnée pour assurer qu'il a sa contribution taxe qui diminue fait et gagne bien recordé et dépensé pour bénéfice tout le monde. Et mon commissionnaire anticorruption, Médé Silva, il exprime satisfaction envers le travail que le pays peut faire pour lutter contre la corruption qui dit peut apporter fruit et peut gagner reconnaître. Il dit qu'il dit ça dans un communiqué qui SCS est reconnaissant qu'ils ont travaillé pour gagner reconnaître pour lutter contre la corruption dans le pays qui dit a aidé à améliorer la réputation Cécile et confiance dans son bonne institution
par nos bonnes citoyens, secteur privé et bonnes la compagnie internationale qui ont envie de faire business dans nos pays. Madame De Silva, il a remercié Transparency Initiative et bonne partenaire local SCCS avec l'Union européenne et le gouvernement britannique pour l'assistance dans ce travail qui dit et de ce travail qui dit et aussi support qui bonne citoyen et aussi support qui bonne citoyen Cécile puis dans autres pour qui Cécile vienne pays qui n'a pas corruption. Il est 22 mois prochain qui la Cour constitutionnelle pour écouter soumission trois avocats dans ses affaires contre Michael Esparon, parti capable de voter dans la dernière élection présidentielle. Ça, il avocat M. Esparon lui-même et avocat commission élection et bureau attorney général. En cours, bon matin, avocat M. Esparon, Frank Elisabeth, tient forme un panel de trois juges qui n'est pas encore capable de gagner contact avec son client qui veut travailler à Aldabra pour demander si vous voulez continuer avec sa cas ou non. Ça, après qu'il bureau attorney général peut demander qu'il saca et dismiss après qu'ils ont une présente la cour avec plusieurs technicalités dans la loi. Dès là-dedans, il est qui devrait présenter sa cas en cour et deuxième, il sa période le temps qui donne pour amener un cas concernant élection. Dans sa première technicalité, c'est maman M. Sparon qui n'emmène cas en servant droit légal qui son garçon donne pour faire bonne transaction de son part. D'après avocat bureau attorney général Stephen Knight, en relation avec droit à voter, un dimon qui est affecté, il a besoin de faire son cas lui-même. Et le fait que c'est son maman qui l'emmène de son part, ça, il n'est pas en accord avec la loi. Concernant sa question période de temps, la loi il donne un dimon qui a un cas concernant élection 3 mois après une élection pour faire son cas. Et si il peut faire en dehors sa période, il a besoin d'une autre permission à la cour et donne raison à cause. Car M. Sparon il arrive en cours en dehors de sa période de temps et il pas demande permission. C'est madame qui tient un appel en bas Independence House vendredi et à cause d'il n'a pas il doit rester convenable il soigne avec secrétaire principal pour l'habitat et représentant département social. Madame Renette Albert dit que dans sa rencontre Zotine tombe l'eau et l'agrément pour qu'il gagne un endroit resté temporaire dans un appartement en Sopin jusqu'à ce qu'il gagne son propre endroit. Aujourd'hui, nous tenons un meeting avec PS, avec Michel Barbé, nous ex-social. Nous avons demandé pour mettre nous dans un département en Sopin jusqu'à le 8 février. Nous autres qui pour payer à l'endroit, nous autres qui pour payer à 8 000. Le 8 février, je suppose que je suis en département 8 000 pour mettre pour mettre en 5 000. Après, je suis pour commencer à payer 5 000. Ça, l'endroit que je peux gagner pour le moment, c'est quand le 8 février, même l'endroit que je peux gagner accès avec un autre la somme qui m'a pour payer un petit peu plus bas, qui est 8 000. C'est seulement l'autre pour aller à l'autre agrément, à l'autre la case, qui est pour aider moi avec, moi pour besoin, ou à moi les moyens pour moi payer. Tout aussi pour assister moi. Tout intimement, mais moi ben l'information, tout mon information pour les autres qui ont assisté moi avec ça l'autre département qui m'a bousé le 8 février. Vous avez qui m'a senti où? Et moi pas senti moi bien. Moi pas senti moi bien. Encore moi gagne mon 6300 pour moi payer le département à distance seulement quoi faire. M'asseyer, encore moi n'a pas l'endroit pour moi rester, mon besoin essayer le moi-même pour moi capable gagner l'endroit rester. Pour moi gagner la case avec housing, mon contribution housing qui m'a peut payer 150 € tous les mois. Quand est-ce que vous payez la base? 2 ans, comme tu commences 2019, c'est en 2022. Moi, j'ai 2 ans en retard avec mon pays. Moi, pour mon participer au travail, mon vient payer 1800 € pour un retardement, à cause de un anéral tout le temps derrière, mon besoin faire c'est mon payer pour moi commencer à janvier 2022 propre, le mois 150 propre tous les mois. C'est un moment famille, Madame Albert qui t'y informe SBC, qui t'y prend sa rencontre bon matin, mais l'équipe SBC est là-bas, il t'y profite pour demander au secrétaire principal pour l'habitat, Denis Barbé, une interview concernant sa situation. Mais M. Barbé dit qu'il n'a pas senti ça approprié à ce moment pour cause avec les médias.
Département tourisme, il souli bon target pour ça l'année côté dit et pour renforcer bon travail qui a commencé l'année passée et aussi avec une nouvelle façon attirer plus touristes. Ça type dans son rencontre marketing pour ça l'année, ça département il dit qu'il expecte accueillir plus touristes que l'année passée. Département tourisme dit qu'il expecte qu'il pays y accueille 218 000 à 258 000 touristes ça l'année. Ça suffit plus bas qui total touristes pour plus bon année pour tourisme qui est 384 000 en 2019. Mais aussi plus haut qui ça 182 000 touristes qui payent qui gagnent l'année passée. Ça, c'est pour la première rencontre marketing département tourisme pour ça l'année. Pour de sa rencontre qui tient vite, ça département qui gagne sens pour souligner les bonnes points forts l'année passée et discute les bonnes améliorations qui nécessaires pour ça l'année. Secrétaire principal pour tourisme, Shirin Francis, indique qu'une stratégie pour ça l'année, c'est pour continuer beaucoup de bon travail qu'il a fait l'année passée, tel qu'une bonne plateforme numérique pour attirer les touristes. L'année 2021, il y a une quantité de nouvelles bon activités qui nous servent de bon moyens numériques pour nous capables interacter avec nos bons partenaires et même pour nous capables reach out bon potential consumers. Nous servons une quantité nous socials.com avec nos bons social media channels et ça pour continuer pour 2022 et nous peut même mazine road les autres façons pour nous faire nos bons business dans en servant moyen numérique. Nous pour continuer aussi mettre l'emphase le market share growth. Ça a été une quantité pendant 2021 quand nous avons une nouveau marché qui supporte the visitors arrival growth et ben marché qui avant type produit plus petit gain visiteurs dans l'année par exemple Prussia israélien l'autre. Madame Francis a ajouté que département tourisme pour continuer à renforcer son bon partenariat avec bon l'hôtel, l'agence tourisme, la compagnie aérienne et même médias pour continuer à amener plus bons résultats pour pays. Il aussi dit qu'il est en plan sa département pour mettre plus de diversification dans sa industrie, qu'il y a un plus de soir pour les touristes. Nous pouvons focaliser en quantité de salons cultural ou ce qui s'appelle community tourism. Nous avons déjà fini de commencer ben l'audit dans trois districts. Troisième district, nous pouvons pour finir là, quand nous identifions ben différentes expériences, quand là, nous pouvons mettre l'équipe ensemble pour nous capables présents. Ça va une opportunité que nous avons besoin de délivrer les en bonne activité qui visiter capable expérimenter. Madame Francis a ajouté qui résultat l'étude la quantité touristes qui maille et parlent et capable soutenir pour sortir ça l'année. Les regard policy, regard direction qui nous envie aller comment une industrie nous besoin donne l'emphase là nous ben différents études qui peut gagner faire pour nous établir par exemple quantité plus la somme nous besoin quantité l'endroit qui nous en manquement et ça il y a travers ben carrying capacity studies nous connais nous l'année passée nous lance pour la digue et ça l'année nous pour lance résultat travail qui gagne fait for the updated carrying capacity pour my avec Pralin et en résultat ça il risque y en a ben policy qui pour suivre et il y a porte qui m'a mentionné ça est tout en lien avec nos ben sustainability goals aussi tout c'est celle nous dans un les temps là côte de tout ça qui nous fait nos bonnes politiques qui nous développe nos besoins une soutenabilité même si département tourisme est encouragé avec bonne projection pour ça l'année madame Francis dit qui paye pour besoin continuer faire face avec certains défis nous besoin imaginer notre pays qui peut passer de bonne after effects of the pandemic par exemple dans l'inflation il y a une economic recession so tout ça là il risque affecter pouvoir d'achat visiteurs zo disposable income capable gagner affecté et nous besoin aussi on the downside imagine compétition il y en a beaucoup plus destination qui vient online par la fin de l'année 2021 et différence avec 2022 c'est qui sa bonne même destination il risque zone bonne travel measures pour beaucoup plus facile pour voyager entrer pour voyager à vacances et qui nous besoin imagine sa bonne destination autant beaucoup plus moyen marketing qui nous madame Francis a ajouté
qui bon vol et aussi bon prix exorbitant qui bon touriste gain sazé et parmi bon défi pour l'industrie tourisme. Bon l'école à travers pays nous ont dit accueil bon pour les enfants qui ne supposé commencer l'école aujourd'hui. Nous avons dit plus ou moins bon la classe secondaire qui entre l'école les fêtes qui hier c'était bon enfants S1 qui ti fait ça. Le côté l'école secondaire Pralin ligne aujourd'hui accueil bon étudiants S4 et S5. Nous l'équipe le Pralin tu aussi parce que l'école primaire grand temps c'est Bessetane pour voir un pays situation. Bon la directrice de l'école indique qui là entre l'école pour bon les autres la classe qui entre hier il a assez bien. Bon étudiant S4 et S5, l'école secondaire Pralin, il entre l'école aujourd'hui. Hier, c'est seulement bon étudiant qui peut entrer dans SN qui vient l'école. Ça, tu vous donne d'autres sens pour familiariser autres l'école avec l'école et aussi bon enseignant. Partout qui est capable de venir l'école à cause certain, il y a un COVID-19. Député pour support côté à l'école, André Servina, indique que tout quelque chose est déroulé assez bien. En général, la rentrée de l'école a bien commencé ici par le secondaire. Et hier, pareil, toute l'école, nous avons 10 étudiants S1 qui entrent. Par exemple, pour S1, hier, nous avons roughly 10 étudiants qui viennent de l'école. Et tout ça là, est COVID-related. Il y en a qui sont fait des tests, il y en a qui sont en quarantaine, il y en a qui parlent de la cour, il y en a qui ont des symptômes. Nous pouvons avoir une statistique pour S4 aujourd'hui avec S5. Le côté enseignant, mon quoi, nous avons des enseignants. Donc, quand c'est enseignant, qui n'ont encore l'école, il y a assez pour quitter pour les enfants qui n'ont pas encore l'école. Il n'y a pas un problème. Pour le moment, nous avons suffisamment la salle pour quitter tous les enfants. Et nous permettons en moyenne 25 étudiants dans la classe qui donnent assez l'espace quand il y a sa social distancing. Pareil, SOP, ministère de la Santé, peut demander et suffisamment ventilation également. Pour l'école primaire de Saint-Anne, tout la classe est divisée en deux groupes depuis niveau la classe jusqu'à P6. Dès la classe, ben la table y a une assistance avec camarades, enseignants qui ont un masque, mais seulement 4 étudiants qui ont un masque. Directrice à l'école, il dit que tout est assez positif, et ils ont aussi même un des enseignants qui sont absents, mais ils sont capables d'arranger le travail qui tout déroule bien. Nous avons une entrée hier, nous la classe première année, la classe deuxième année, sixième, ça va la classe, nous avons tous enfants, et nous payons tout P5, la classe est divisée, la moitié est venue à la semaine, la moitié est venue la semaine prochaine. Moi, j'ai des trois staff qui sont absents, mais seulement, thankfully, nous sommes capables d'arranger pour faire coverage pour le paquet de la classe en attendant. Bien, on a un SOP qui, tout les choses, connaît. Les autres mamans ont fini d'entrer, ils ont une besoin de repasser l'eau là, mettre l'emphase, ça va être quelque chose qui maman a protocole, qui maman a besoin de servir. Et maman est conscient, maman n'a pas besoin de tout. Il garde distance dans nos bonnes classes, nous happy. Le côté de l'école primaire grand-tense, toute la classe est entrée depuis hier, PN jusqu'à P6. Zoto aussi, je peux suivre même pour se dire que dans la classe, il y a une division D depuis niveau la classe jusqu'à P6, que chaque groupe y vient une semaine. Directrice à l'école, Lina L'Espérance, il dit qu'ils peuvent faire bon étudiant l'avion de l'homme souvent, et qu'ils ont aussi, il y en a certains enseignants qui sont absents, mais ils peuvent faire l'opération à ce code même. Nous avons la moitié de nos populations à l'école, le school ground. Ça y compris nous la crise, depuis nous la crise jusqu'à P6. Mais nous avons la classe, nous avons la troisième la classe, ça y a une vie entière qui nous organise, qui en a saisi stas de la classe et les enfants sont capables d'entrer dans normal. Nous promotons l'avlamé contre l'école, mais par contre, nous demandons parents pour provide aux autres enfants un sanitizer ou bien aux autres hand soap si par contre contre les enfants ils besoin faire sa garde l'hygiène. Ministère de l'éducation indique que bon l'école est capable fonctionne avec la quantité enseignants qu'ils ont en an ça principalement à cause l'arrangement contre pas tous étudiants qui puis l'école en même temps. Et un bon arrangement qui a été fait pour que l'enseignement soit capable de continuer pendant sa pandémie COVID-19. Justement, c'est l'arrangement qui a été l'école une cause Lola pendant un séminaire qui a été fait online comme activité pour commémorer la journée internationale de l'éducation.
Avec nouveau l'année scolaire qui ne fait commencer, surtout après l'augmentation de 24 COVID-19 qui en a dernièrement, différents groupes étudiants puis à l'école différentes semaines, c'est-à-dire pas tous étudiants qui puis à l'école en même temps. Un plus petit groupe étudiant, il veut dire moins pression aux ressources, plus précisément ressources humaines, qui est tout le temps un défi pour le ministère de l'Éducation. Secrétaire principal pour le développement secteur de l'éducation, John Espérance, indique qu'il y a une mesure que le ministère peut avoir un nouveau enseignant. Pour le moment, bonne école peut capable fonctionner avec la quantité d'enseignants qu'ils ont en an. Je suis tout le temps dans le système. Nous ne sommes pas dans 100% de staffing que nous avons en an. Mais seulement, pour le moment, nous pouvons nous couper avec cette situation à cause de nous n'avons pas de full capacité dans l'école. Nous avons la pause qui nous est retenue par certains groupes qui viennent une semaine et d'autres groupes qui viennent l'autre semaine. Et ça peut nous manager avec la situation. Mais heureusement, quand il fait le ministère, nous pouvons recruter certains enseignants. Nous avons pour l'enseignant local qui est sorti du système et nous pouvons montrer l'intérêt pour y rentrer dans le système. Il y a un groupe aussi qui nous finit de faire interview et faire l'arrangement avec d'autres. Là, il y a un groupe local. Et un groupe qui est aussi ouvert, dans un staff étranger qui est CCL, qui déjà travaille dans d'autres spaces, puis déjà travaille CCL. Ils ont aussi montré l'intérêt pour join the teaching profession. C'est nous qui faisons l'arrangement pour nous recruter dans un staff aussi. Tout. Donc, les teachers étrangers, est-ce qu'il y a un groupe qui n'est pas capable d'entrer dans le pays vu que la situation COVID-19 est comment? Actuellement, il y a un groupe qui est retourné et il y en a des trois aussi qui ne peuvent pas faire d'accord avec la situation dans d'autres pays aussi. Tout. Mais c'est moi, nous sommes très satisfaits qu'il y ait un gros groupe qui est rentré là récemment, qui est dans le congé, avec notre famille. Nouveau l'année scolaire, nous aussi commence avec les autres arrangements et mesures qui ben l'école met en place pour minimiser ou soit empêcher COVID-19 propagé parmi bonnes enfants et enseignants. Tiens, température, mettre masque, sanitise la main et garde distance. Il ben pratique des bases qui ben l'école à travers pays tient adopté depuis 2020. L'état COVID-19 tient commence à être détecté parmi population. Pendant un séminaire qu'il fait online, plusieurs écoles incapables de partager l'expérience, façon faire et les autres arrangements qui ont été mis en place. L'école, même si c'est fait par semaine, nous sommes aussi changés pour nous faire ben, additional classes pour ben, qui peuvent struggle. Et là, ben, les enfants, m'ont venu avec les enseignants et nous voyons beaucoup de progrès de sa côté pour que ben, les enfants soient incapables de catch up. Vous pouvez dire que nous fermons la gate et tout le monde, une fois inside, ils ont été sanitisés, ils n'étaient pas allowed to move, to go out, except if they had important appointments or until school end at 2:30. This pandemic has provided the opportunity for us to venture in new modes of teaching to ensure that learning continues. Monsieur l'Espérance dit que le ministère de l'Éducation est très impressionné avec l'arrangement que sa bonne école met en place, en plus qu'il y a un protocole qui peut tout suivre. Il montre que nous apprenons à travers la pandémie et il peut faire nous revenir un petit peu plus fort, plus résilient. Pour nous dire avec sa situation lui-même, en plus que ça, il peut aussi nous voir plusieurs méthodes alternatives pour nous améliorer l'apprentissage. Nous voyons une sorte de discussion qui dans une présentation que l'école peut avoir pour dire à travers la discussion avec les étudiants, même avec les parents, qui amène une grande amélioration de l'apprentissage. Et la pandémie, il y a une histoire assez positive de cet sens. Est-ce que le ministère peut donner assez de support à l'école pour faire face avec sa situation? Actuellement, le ministère peut faire un bon pays, mais ce n'est jamais passé. Nous sommes contents, nous sommes capables de donner plus de support qui nous capables. Par exemple, nous avons débouché Internet. Il y a un challenge et nous disons en négociation avec un Internet Service Provider pour nous faire signe. Nous pouvons améliorer Internet dans l'école. Nous disons un trial qui peut arriver dans l'école. En soyant les cascades et les autres, nous avons une grande amélioration sur l'Internet. Mais nous nous sommes contents de faire sortir pour dire, nous, l'éducation, nous pouvons tout nous suivre pour que nous capables et nous pousser nous mieux. Monsieur l'Espérance dit que l'aspect l'apprentissage de la cour, ou soit ce qui nous dit homeschooling, est aussi important, vu qu'il y a aussi un cas que les enfants pendant l'école du tout, mais plutôt faire les sons de la cour.
Il y en a un certain arrangement qui ne vient contre nous, qui parents ne demandent, et pour certaines circonstances, dans l'exemple, il y en a un parent qui ne prend aucun vaccin. Les autres enfants aussi ne prend vaccin. Pour safety des autres enfants et pour les autres, il y en a un certain arrangement qui ne fait à cause de nous faire ici, qui est dans le cours de l'école. Et ils ont une collecté ben learning materials, ils ont fait une phase, ils ont retourné à l'école. Et surprisingly, le résultat est assez promising à cause nous voir pour dire il y en a certaines écoles qui voient une petite défaillance, mais il y en a beaucoup d'écoles aussi qui voient un major improvement dans le résultat à GCSE pour nous voir pour dire il y en a certain improvement. L'agence service t'a dit un bon matin quand il a été pour tenir dit fait un bateau qui tire le mouillage Eden Island. Nous parti gagner l'autorisation pour coster côte bateau, mais ça qui nous tire à percevoir tient pays la femme noir qui t'y peut sorti. D'après porte-parole par intérim l'agence service t'a dit fait Terrence Sanfi, ils ont une déployé des machines et 10 hommes. J'ai une fille y ajouté qu'ils ont en option qui satisfait une commence dans l'équipement électronique, mais jusqu'à là, sont pas capables de préciser quoi qu'il la cause satisfait. Pour 10 autres, en réalité, nous ne pouvons vraiment connaître quoi qu'il arrive pour cause satisfait. C'est bon, puis la fille même qui a un ventilateur qui sort dans un bateau. C'est bon, apparemment aussi, il paraît qu'il y a quelque chose électronique, quelque chose qui est bord dans le bateau qui a un satisfait. Nous il y avait un peu de fire extinguisher toujours, de ces masques-là pour qu'on investigue, pour qu'on ait vraiment ce côté qui est cause satisfait. Toujours aujourd'hui, l'agence service d'indifférent, il y a une false alarme qui tient en indifférent dans la case Port-Larry. Côte là, ils déployent 3 machines et les autres arrivent dans cet endroit, tu n'as pas aucun différent. Couvent Saint-Joseph de Cluny, perdienne son membre, l'enterrement c'est Gertrude Tiron, il fait aujourd'hui. Et née Marie Stella Tiron, les premiers idiotes 1932, on se la mouche, mais Gertrude, il fait son l'étude contre l'école Anspoilo et l'école Regina Mundi. Il est entré dans couvent Saint-Joseph comme un novice le 5 janvier en 1957 et fait son premier V. Le 10 septembre 1959. Le 12 septembre 1965, il fait son V final. Comment un enseignant il travaille côté plusieurs écoles, c'est un sa bonne école, tu peux gérer par bon lycée Saint-Joseph de Cluny. Après qu'il prend son retraite en 1997, et il travaille dans un hostel avec bon Zen dans Regina Mundi. Comment mais s'il payait vers milliers 2017 et il retourne dans le couvent Saint-Joseph jusqu'à son mort lundi le 17 janvier à l'âge 89 ans après qu'il passe 70 ans dans la vie religieuse. Et moi, je souhaite une bonne soirée.